The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using four buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Yo 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 yo, what's up tout le monde, comment va, c'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi et un merveilleux milieu de la semaine, donc euh, j'espère que vous allez tous bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et je salue les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Et sans oublier mes capitaines et mes administrateurs. Salut à vous tous, la famille. Euh, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur, euh, sur euh, YouTube, ni un live stream, ni vidéo statique, ni rien. Depuis un moment, je suis concentré sur le Discord. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous dire venez dans le Discord. Vous connaissez exactement la cassette et la chanson Venez dans le Discord parce que... Ma concentration se fait de plus en plus sur le Discord, vraiment. Donc, toutes les vidéos, les, les interviews, les invités, les connexions, etc., etc., tout se met sur le Discord à partir de maintenant. Et sur YouTube, ça sera des vidéos statiques. On va survoler un peu la surface. Mais on ne va pas rentrer en détail. Donc, je vous invite à venir sur, dans le Discord si vous voulez vraiment connaître énormément de choses. OK? Donc, on va commencer sans trop perdre votre temps. Le Decent By Murder Wallet. C'est un cold wallet comme le Ledger. Si tu as besoin d'un cold wallet et tu veux sécuriser tes XDC, tu veux interagir avec Flare Network, Sangburn Network, tu veux euh, ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops tout en sécurité, je te conseille le Decent Wallet. Tu peux tout faire juste avec ce wallet-là et en plus de ça, empreinte digitale avec sécurité maximale. Donc je te le conseille fortement. Moi j'ai les deux, j'ai le Ledger et j'ai le Decent, mais le Decent est meilleur. Okay Donc en cliquant sur mon lien, tu économises 50$. Au lieu de 159$, c'est 109$. Donc c'est une façon de me supporter et c'est une façon pour toi d'économiser. Ok? Donc je viens de parler du Discord de la famille. Hein, C'est le Discord. Vous cliquez sur le lien. Euh, le lien du Discord, il est juste en dessous de la vidéo, OK et Patreon aussi, il est juste en dessous de la vidéo. C'est ce lien-là, Patreon. Euh, grâce à lui, vous allez accéder, vous allez pouvoir accéder au Discord. Donc, le Discord, c'est celui, le package au milieu, à 12 dollars par mois, 9 euros. Donc, euh, je vous le conseille fortement. Juste cette semaine, on a fait hier un stream avec euh, Samos Crypto, Victor VR. Mardi, on a fait un stream avec Adoki, le cofondateur de Adoki. Et ce vendredi, on a un stream avec The Great Gala, Antoine, un expert de Gala Games. Donc, euh, hey, ce vendredi, ça va être énorme à 23h, heure française, ce vendredi. Donc, euh, je vous le conseille. Et ça ne va pas s'arrêter à ça. Hein. Les prochains euh, euh, épisodes de Biggie Show seront sur le Discord. Tout sera sur le Discord. Tout ce qui est vraiment exclusif, tout ce qui est vraiment important et sérieux sera sur le Discord. Okay Donc, je vous conseille fortement de venir sur le Discord. Et en plus de ça, je vais mettre une limite. Hein. Je vous le dis maintenant. Je vais mettre une limite. Maintenant, quoi, on est à 255 personnes. Je pense euh, mettre un plafond de comme 400 ou 450 personnes maximum. Et c'est fini. Il n'y aura plus personne qui pourra accéder au Discord. N'oubliez pas que j'aurai mes collections NFT qui vont avoir lieu. J'aurai cinq collections qui vont voir le jour cette année. La première collection, elle, elle devrait voir le jour cette semaine, ce week-end ou le début de la semaine prochaine. Donc, je vais faire des airdrops de 10 NFT sur chaque collection aux membres du Discord. Donc, venez, venez, venez dans le Discord et en prenant une année au complet, bah, tu, tu bénéficies tu de 10% de Rabio. Donc, c'est comme si tu as un mois gratuit. ok Voilà. So, tout est en dessous de la vidéo. Les liens sont juste en dessous de la vidéo. On commence. Donc XRP. Euh, c'est en train de pomper un tout petit peu parce que depuis hier c'est en train de chuter même avant hier, donc on a eu une mauvaise, un mauvais début de semaine, ok, donc euh, XRP 77 sous, une baisse de 5.01% toujours en dollars américains le market cap on parle de 37 milliards, une hausse de 1.63%, le volume dans les 24 heures on parle de 1 milliard euh, presque 2 milliards, une baisse de 14.96% et le circulating supply 48 140, non 48 milliards 140 millions de XRP en circulation la crypto 18 753 le market cap 2 trilliards, le volume dans les 24 heures, on parle de 100 milliards et la BTC dans 41,3%. Ok, so euh, premier article, et ça, ça vient de sortir le 6 avril. Invert et Ripple annoncent un partenariat pour collaborer avec les investissements dans les crédits carbone. Donc, euh, déjà, on connaît ce délire là, un hein, crédit carbone. Donc, euh, déjà, il y a Xange euh, qui, 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 qui connectait avec l'ONU. Hein, ils ont choisi le XRP Ledger pour les crédits carbone. Maintenant, on a Invert aussi avec Ripple. Donc, vraiment, euh, l'XRP Ledger est vraiment la plateforme pour le crédit carbone. Incroyable. Invert, une société spécialisée dans la réduction des émissions et la compensation carbone, et Ripple Inc., un fournisseur de crypto et blockchain solutions, sont heureux d'annoncer un, un partenariat pour collaborer à l'approvisionnement et à l'investissement dans des projets de génération de crédit carbone pour les investissements de démarrage. Ripple et Invert sont alignés sur leur objectif pour soutenir les projets de réduction et d'élimination du carbone et aider à lutter contre le changement climatique. En travaillant ensemble, Ripple et Invert examineront et accéléreront le déploiement du capital pour construire un portefeuille plus large de projets de génération de crédit. Aïe, 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 ça, <laughs> crédit carbone. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fera, par exemple, même Mastercard, elle est là-dedans. Donc ça veut dire que tout ce que tu t'achèteras, euh, tu auras un crédit carbone sur chaque transaction, sur chaque achat. Euh, et là, on va voir combien tu gaspilles, ce que tu, tu fais attention au réchauffement climatique, est ce que tu fais attention à l'environnement. C'est tu sais, plein de conneries. Tu sais, je peux pas te dire exactement comment les choses vont se passer en détail, mais c'est inévitable ce délire-là. C'est inévitable. Genre, chaque chose qu'on va faire, on aura un, un, comment dire, on aura on aura comme un, des statistiques de notre utilisation carbone ou tout ce délire. Et, et Ripple est très bien positionné pour ça. Je pense que c'est elle qui va nous fournir cette plateforme. Tu vois, aussi simple que ça. Invert investit dans des projets qui se traduisent par la création de crédits carbone significatifs et de haute qualité, comme la plantation d'une forêt ou la construction d'une machine qui élimine le CO2 de l'air. Donc, je ne je suis, suis pas en train de te dire que c'est Invert qui va nous faire des choses pour nous, etc. Non, mais Invert, elle n'a aucun rapport avec le particulier. On le voit clairement, c'est construction d'une machine qui élimine le CO2. On parle de plantation d'une forêt. Donc ça, ça n'a pas rapport. Mais Xang et l'ONU, ça là, ça là, mon gars, ça c'est nous. Ça c'est nous, direct nous. Euh, C'est inévitable. Surtout quand on voit que leur logo, il, a, il est sur tous les présidents, sur tous les, 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 les célébrités du monde. Hey, J'ai déjà fait un putain, putain, putain de stream dessus, donc euh, incroyable. Euh, ici, on voit la société a réuni une équipe d'experts de classe mondiale dans les domaines de foresterie, du carbone bleu, du biocar et d'autres domaines de développement de projets de carbone et dispose d'un large éventail d'opportunités de projets passionnants qui peuvent contribuer à la réduction du CO2 dans notre. Atmosphère. Ripple s'engage à mener un travail positif sur le climat dans l'espace de la crypto et de la blockchain. Bien sûr, il vise à être carbon free d'ici 2030. Ce partenariat est la dernière initiative de l'entreprise pour aider à construire un avenir neutre en carbone. En réduisant les émissions, en achetant de l'énergie propre et en investissant dans, en investissant dans des projets d'élimination du carbone tels que le reboisement, le biocar et la séquestration du carbone, Ripple s'est engagé à devenir zéro carbone d'ici 2030 ou avant. De plus, les partenariats existants de Ripple avec des organisations telles que Crypto Cl Climate Accord, Rocky Mountain Institute, c'est en Suède, Energy Web et Air continuent d'aider à atteindre la durabilité à l'échelle de l'industrie. Nice, premier joli article. Le PDG de Binance, il les cofondateurs de Ripple parmi les milliardaires les plus riches en crypto. Chris Larson, Jim McCaleb, <laughs> David Schwartz, <laughs> Comme, euh, pour moi, c'est des milliardaires, et c est, c est, c est, c est, on le connaît. Surtout Chris Larson, Chris Larson, c'est le, le plus gros portefeuille d'entre eux et Jim McCaleb, j'imagine. Changpeng Zhao reste le milliardaire de crypto-monnaie le plus riche au monde. Donc ça, c'est le gars de c'est le gars de Binance avec le PDG de FTX. Donc c'est la deuxième place et la troisième place, j'imagine, c'est les gars de Ripple. Selon Forbes, le PDG de Binance, euh, Sisi, est la personne la plus riche en crypto, accumulant une valeur nette de 65 millions de dollars. Waouh pour de vrai, euh, même les Arabes là, à Dubaï ou je sais pas quoi, ils n'ont pas ça, là, 65 milliards de dollars. Oui, tu les entends, ils ont 10, 15, 20, 5, 30, mais 65 milliards de dollars. Yo, je pense que c'est le plus riche de la planète, à mon avis. Ah, Je ne sais pas, mais à mon avis. <laughs> Woo! Mais, mais comme Bill Gates, oui, Bill Gates, il a quoi 65 milliards, 70 milliards Presque. L'année dernière, à titre de comparaison, la richesse de Sisi était évaluée à 1,9 milliard de dollars. Wow L'année dernière, ça. L'année dernière, c'était à 1,9 milliard de dollars. Maintenant, c'est à 60. Uh, Forbes est arrivé à 65 millions de dollars en tenant compte des revenus générés par l'échange Binance. L'année dernière, en 2021, le Wall Street Journal a estimé que Binance pourrait valoir 300 milliards de dollars s'il devait suivre son rival Coinbase en devenant public. Pop, pop, pop. Yo, si Binance elle va public, <laughs> Yo. et je pensais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vraiment... Euh euh, de nettoyer leur image un peu partout parce que Binance elle a commencé avec euh, voilà c'est une image c'est un, un échange qui est décentralisé il euh, y a eu plein de rumeurs sur eux comme quoi ils font des blanchiments d'argent des fraudes tanani tanana tanana donc avec le temps on les voit clairement ils sont en train de, 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 de nettoyer leur image parce que moi je pense ils vont aller public c'est sûr c'est ce genre de compagnie là quand ils font déjà énormément d'argent comme ça c'est sûr que leur prochain step leur prochaine étape c'est être IPO c'est être public et aller dans le stock market. Et c'est là que ce genre de personnes-là vont faire encore plus d'argent que maintenant. Incroyable. Ici, on voit le gars de, de FTX, 24 milliards de dollars. Euh... Ici, on voit le Chris Larson, c'est ce, ce que je vous ai dit. Chris Larson qui était le seul milliardaire de crypto-monnaie sur la liste Forbes. Le seul au début. <laughs> au début, c'était... Le... Parce que c'est le boss. C'est le premier pour de vrai. Yo, les gens, ils ne pensent pas à ça. Mais c'est le premier. C'est le premier, c'est lui qui était parti avec euh, David Schwartz, qui partit, pas David Schwartz, qui est parti avec euh, James McAleb, qui est parti avec Arthur Brito pour voir Ryan Fogger et acheter le, 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 le plan Ripple, le, le Ripple Protocol, parce que c'est lui qui avait euh, imaginé tout ça. Donc avant que tout ça existe, avant que Binance existe, le vrai boss, c'est Chris Larson, le premier milliardaire dans la crypto. Oui, bien sûr, Binance, elle l'a dépassé, FTX l'a dépassé, parce que là, c'est des échanges. À chaque trade que tu fais, chaque transaction que tu fais, tu prends une, une, un petit morceau dessus. Donc, euh, quand tu as beaucoup d'utilisateurs, tu fais trop d'argent. Mais n'oublie pas que Chris Larson, avec les milliards qu'il a déjà et qu'il a depuis très longtemps, et en plus de ça, les XRP qu'il détient. Ah, il va les dépasser tous en quelques secondes. <laughs> en quelques temps, je veux dire, pas quelques secondes. Mais hey, anyway. Et n'oubliez pas que un petit truc aussi que je voulais partager, c'est que il y a un y a million. Attends. Attends, on va, on va checker ça là ensemble. XRP drops. Voilà. XRP drops, ici. Et là, il y a combien de drops Il y a combien de... Ils te disent, même David Schwartz, il l'a dit, je n'ai pas envie de trop perdre mon temps dessus, mais je vais le mettre sur le Discord. Je vais bien, bien décortiquer ce truc-là parce que ce n'est pas beaucoup de monde dans la communauté française qui savent ça. Et c'est pour ça que moi, je pense que XRP sera, sera dans les cinq chiffres. Et les gens qui pensent au market cap, c'est des gens qui n'ont rien compris. Ils sont aveuglés par le market cap. Donc, on va voir ici, dans les contextes techniques, le XRP est mesuré précisément au 0.00. 0001 XRP. Donc là, on parle de 1, 2. On parle de 1, 2, 3, 6. Donc, 1 million de drops. 1 million de drops. Donc, ils te disent un drop coûte un sou. C'est ça leur but. C'est ça l'image et la vision de XRP. Un drop coûte un sou. Donc ça, c'est un drop. Le 0.0.0001 Ça, c'est un drop. On l'appelle un drop. Chez Bitcoin, on l'appelle Satoshi. Chez, euh, chez, chez XRP, on l'appelle une goutte. Un drop, donc un million de gouttes. Et David Schwartz, il l'a dit, je vais le mettre sur le Discord pour que les gens, parce que les gens pensent vraiment que je mens. Un, un drop, bien sûr, avec le temps, il va, euh, il va valoir un sou. Donc, si tu fais un million de drops, un hein, million de gouttes fois un sou, ça te donne 10 000 dollars par XRP. Et c'est ça le but, c'est ça le long terme, c'est ça la vision, et c'est ça le prix de XRP, bien sûr, dans le futur. Je parle pas de maintenant, je ne parle pas de demain, mais c'est ça le truc. OK? C'est tellement bien réfléchi, c'est tellement bien analysé. Un drop est égal à un sou. C'est exactement comme si tu parles de, de l'argent qu'on a en ce moment. C'est vraiment bien calculé. Donc, encore une fois, pourquoi je parle de ça Parce que, oui, on vient de parler de Chris Larson. Excusez-moi, on, on parle de Chris Larson. Donc, oui, il a déjà ses milliards. Il a déjà des XRP. En sachant que XRP, avec ce calcul que je viens de vous faire, 10 000 dollars, donc il va être le milliardaire du monde entier. Je ne sais pas comment il va être. Ça va être incroyable. Ici, prévision des prix Ripple 2030-2050, quelle est la valeur de XRP <laughs> Je l'ai mis sur Twitter ça tout à l'heure et comme eh, 2030, les gens ils n'en ont rien à foutre, ils veulent ni lire, ils ne veulent rien faire. Ils voient que le titre, 2030, mais qu'est-ce qu'ils me disent, gars-là 2050, qu'est-ce qu'ils me disent, gars ils Relax. Ce n'est pas moi qui a mis le titre, c'est pas moi qui ai écrit l'article. C'est juste un article qui vient de sortir il y a trois heures. C'est normal que je le publie, c'est normal que je le partage. Il y a des gens peut-être qui vont le lire. Mais ce qui vient dans cet article, c'est que... Il regroupe tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a connu, etc. On parle de c'est quoi Ripple, c'est quoi XRP, Tanani, Tiens, On ne va pas répéter c'est quoi Ripple, c'est quoi, quoi XRP. Je pense que vous savez exactement c'est quoi Ripple et c'est quoi XRP. Comme quoi euh, c'est le prochain Swift. RippleNet, je ne parle pas XRP, pas Ripple. RippleNet sera le prochain Swift. On parle de 55 euh, de 120 transactions de paires de devises dans plus de 55 pays à travers le monde. Donc euh, ici on parle de 35 validateurs. Exécutant 6 des plus de 35 validateurs sur les listes de unique UNL. Tu vois, encore une fois, ça parle de Ripple est centralisé. Non, elle exécute 6 des plus de 35 validateurs sur les listes. Donc les 35 validateurs, ce n'est pas elle. Tu vois Donc elle ne contrôle aucunement le réseau. Euh, donc ici ça, de, là, ça, ici, ça parle de la SEC, blablabla. On va pas recommencer le bordel. Mais euh, est-ce qu'ils mettent un prix Parce que ça m'a intrigué le truc. Est-ce qu'ils mettent un prix Malheureusement, il n'y a pas de prix. Donc, le titre, c'est juste pour te faire lire. Pour te faire lire les enculés, ils sont trop forts. Mais il n'y a pas de prix, ça ne parle pas. Parce que quel est l'avenir du XRP Prévision des prix Ripple. Mais ça ne parle d'aucun prix. Mais anyway, c'est pas grave. Je voulais juste. Je voulais juste le partager avec vous. Mais bon. On avance, Ripple présente de nouveaux cas d'utilisation NFT alors que les gagnants du hackathon XRP Ledger 2022 se dévoilent. Quand on parle de, de nouveaux cas d'utilisation NFT, c'est des NFT complexes, pas des NFT euh, style euh, art euh, que tu vois sur OpenSea ou je sais pas quoi. C'est vraiment des NFT complexes, pas n'importe quoi. Des NFT euh, style institution. Ripple X est une plateforme ouverte pour l'argent, permettant aux développeurs et aux, aux entrepreneurs. Donc, ici, on voit Ripple X partage des détails sur les gagnants du hackathon XRP Ledger NFT DevNet et des cas d'utilisation NFT récemment conclus que les développeurs ont commencé à développer sur le Ledger. Ripple X est une plateforme ouverte pour l'argent, permettant aux développeurs et aux entrepreneurs d'intégrer des paiements dans leur application via XRP Ledger. XRP Ledger inclut actuellement une fonctionnalité de jeton native intégré appelée XLS20. Normalement, il devrait sortir ce mois-là. Hein? Ça va. Euh, ça va hum, améliorer l'écosystème du NFT dans le XRP Ledger. Actuellement, le NFT devnet est un environnement bêta qui améliore les capacités NFT de XRP Ledger et utilisé. Alors que le, la majorité des premiers cas d'utilisation de NFT tournent autour des avatars, c'est exactement ça. C'est ce que je vous dis, c'est des NFT complexes que le XRP Ledger va, va accueillir. Oui, on peut faire des NFT euh, d'avatar de comme déjà on le voit sur Sologenic, Marketplace, etc. Mais là, c'est un autre cran, c'est un autre délire. OK euh, des avatars de l'art et des objets de collection, davantage d'applications basées sur les utilitaires commencent à émerger, nécessitant le développement des solutions NFT plus avancées sur le XRP Ledger. Ripple a proposé XLS20 l'année dernière, une norme qui permettrait à XRP Ledger d'offrir un type NFT natif et une expérience NFT fluide. La nouvelle norme XLS20 vise, vise à aider les développeurs à créer des applications NFT plus avancées et innovantes sur la plateforme XRP Ledger. Donc, ce n'est pas juste créer un NFT, un avatar ou un chien ou un chat ou un cochon. Non, non, non. C'est des applications NFT. C'est vraiment tout un nouveau projet qui est basé sur les NFT, comme style Adoki, par exemple. Donc, les gens qui m'ont qui, qui suivi sur Adoki, donc, Adoki pourrait être une application, pourrait être un écosystème, pourrait être un, un, un réseau sur le XRP Ledger pour les NFT. You know what I mean? À la mi-mars, Ripple a déclaré qu'il engagerait 1 milliard de XRP pour accélérer le développement et de nouveaux cas d'utilisation sur XRP Ledger. Le fonds qui est une, une excroissance du programme de subvention XRP Ledger a été créé en 2021 et a depuis accordé un financement total de 6 millions de dollars à plus de 50 projets open, open source basés sur le XRP Ledger. Nice, nice, nice. C'est tout ce qu'on veut, nous, on veut que ça. Ra euh, rapport, Stellar est en tête des transactions cryptographiques en volume, avec XRP en deuxième, place en deuxième place et Ethereum en troisième. Nice, XLM, il a la cote en ce moment. 53 millions de XRP shifted by Ripple's Large ODR Corridor. Donc là, on, va, on parle de qui On parle de. On parle de Bitso, j'imagine, ouais. De qui d'autre encore Ouais, Bitso. Ouais, c'est juste Bitso. Yeah. On avance. Ici, ça vient de sortir Coinbase Debits Crypto Trading in India. Donc là, on voit clairement, euh, je ne sais pas pourquoi ça se traduit pas, ça. Ça va se traduire ou pas Voilà, ouais. Coinbase, Coinbase lance le trading de crypto en Inde. Donc, et comment elle va le lancer? Coinbase ajoute la prise en charge de l'instrument de, de paiement populaire UPI en Inde, rendant son échange de crypto monnaies éponyme, fonctionnel pour la première fois sur le deuxième plus grand marché Internet au monde. Donc, on répète, Coinbase, un des plus gros wallets au monde, OK, ajoute la prise en charge de l'instrument de paiement populaire UPI en Inde rendant son échange de crypto-monnaies éponyme fonctionnel pour la première fois sur le deuxième plus grand marché Internet au monde. La société cotée en bourse, qui a commencé à tester les paiements UPI il y a quelques semaines, a fait le lancement officiel lors de son premier événement en Inde jeudi, affirmant qu'elle qu s'efforçait d'élargir son offre de produits dans le pays. UPI, une infrastructure de paiement développée par une coalition de banques de détail, est devenue le moyen le plus populaire pour les Indiens d'effectuer des transactions en ligne. Là maintenant, ce que je vais vous montrer là, c'est pas juste ah oh ouais c'est magnifique Coinbase UPI. Là on parle de le moyen le plus populaire pour les Indiens d'effectuer des transactions en ligne. Les utilisateurs de Coinbase en Inde pourront verser de l'argent sur leur compte et en retirer en utilisant le réseau UPI a déclaré un dirigeant de l'entreprise pour inciter les clients à essayer l'application Coinbase. La société a déclaré qu'elle offrait 2.65 dollars à tous ceux qui s'inscrivaient. OK Maintenant, on parle du moyen le plus populaire pour les Indiens. On connaît que Ripple est connecté avec l'Inde. Il y a cinq banques indiennes qui utilisent la technologie Ripple. On connaît Tata Communication qui, qui, qui a montré clairement grâce à son euh, système Quartz Gateway qui, qui peut se connecter et qui est connecté au Ripple Network. Et là maintenant, UPI Coinbase. Ripple ont pour parler avec NPCI, les banques pour les transferts de climatisation dans le monde. Contrairement à Swift, une plateforme de messagerie qui est le moyen dominant pour les paiements mondiaux Ripple est une messagerie ainsi qu'une plateforme de règlement. Donc, Mumbai est la société de paiement soutenue par Google, Ripple, et on pour parler avec des banques indiennes et la National Payment Corporation of India, NPCI. Donc, la National Payment of Corporation of India, c'est à elle, le UPI, <laughs> pour faciliter les transferts de compte à compte dans le monde entier sans avoir à faire partie d'un réseau de paiement Axis Bank et Yes Bank. Axis Bank et Yes Bank sont des partenaires de Ripple. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer que Coinbase, avec UPI, que tu le veuilles ou non, derrière, il y a Ripple. <laughs> Et en plus de ça, clairement, ils te disent le moyen le plus populaire pour les Indiens, pour les Indiens d'effectuer des transactions en ligne. Donc, ça veut dire UPI utilise la technologie Ripple. Donc, les Indiens utilisent la technologie Ripple sans le vouloir, sans le savoir. C'est ce qui va se passer dans le monde entier. <laughs> Tout le monde va utiliser les systèmes qu'ils qu ont toujours connus, mais derrière il y a Ripple. Magnifique euh, connexion ici. Et là, en plus de ça, on voit même ici, on le voit sur leur PDF Ripple. Hein, C'est un PDF Ripple. Et on voit, je les, je les traduis ici. D'une région à l'autre, il existe d'importantes variations de processus en ce qui concerne la modernité et l'efficacité des réseaux de paiement du dernier kilomètre. L'Inde, avec son interface de paiement unifiée UPI, est un exemple de pays qui a réussi à moderniser ses systèmes nationaux pour parvenir à un règlement en temps réel et à l'interopérabilité des paiements de faible valeur. Tu vois? Donc Ripple qui parle de pays, grosse, 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 grosse connexion UPI avec Ripple. Magnifique. Ici, on voit IoTeX lance IOPay 2.0, prenant en charge Ethereum, BNB et Polygon. Nice. Euh, ici, on voit, on voit Russian. Oups. Ouais. Allez, la Banque Centrale Russe déclare que la crypto ne peut pas aider à échapper aux sanctions alors que la guerre avec l'Ukraine se poursuit. La Banque centrale de Russie a rejeté une proposition visée à échapper aux sanctions financières en tirant parti des actifs numériques et des crypto-monnaies. Maintenant, euh, qu'est-ce que Poutine a dit bah, Poutine, il, il, Ces gens-là, ils font les intelligents. Hein. Mais maintenant, la vérité, c'est eux qui sont fait niquer. Poutine est bien. <laughs> Poutine est bien. Poutine est tranquille. Ils ont foutu le bordel. Et qui est en train de perdre en ce moment bah, Le monde entier. Regarde juste chez nous ici au Maroc. Le mazot, il coûte il, le mazot, le, 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 le diesel. Il a doublé dans le prix. Donc, qui, qui est en train de, 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 de devenir fou là, ici là C'est le monde entier. Mais la Russie, oui, bien sûr, le peuple russe aussi, il, en, il va souffrir, etc. Mais en fait, la Russie, là, c'est elle qui donne les règles. Elle leur a dit, eh, clairement, moi, je m'en fous de vos dollars. Vous voulez acheter le pétrole, vous voulez acheter ici, vous voulez acheter le gaz naturel, tu dois me payer avec Bitcoin. Comme <laughs> rien à foutre, tu vois ce que je veux dire Incroyable. Et en plus de ça, en sachant que la Chine et la Russie, ils ont le plus euh, de réserves d'or. Le Canada, elle n'a même plus de réserves d'or. Euh, les États-Unis, comparé à la Chine et les States, euh, comparé à la Chine et la Russie, c'est rien comparé à eux. Donc, yo. <laughs> Et ça se voit que maintenant, Poutine ne va pas lâcher l'affaire. Il veut continuer. Ça se voit que eux ils ne veulent pas faciliter les choses pour que Poutine dise OK, c'est bon, j'arrête. Ou aussi, ils veulent continuer. Et ça parle de old season. Ah, les chevreux parlent de old season. <laughs> <laughs> on, a, on, aura, on aura un « pump ». Oui, je, comme depuis un moment, je dis qu'on aura un « pump ». Mais maximum 52 000, maximum. Okay, OK, ils vont nous faire plaisir. On va dire, ouais, ils sont gentils avec nous. 60 000, max. <laughs> euh, bi oui, si, si Bitcoin monte à 60 000, les autres, euh, ils vont tellement « pomper que oui, nice. Mais il n'y a pas de old season ». Les gens, ils pensent qu'on aura un « old season » de 2017. Les gens continuent à comparer les années d'auparavant avec les, les années qu'on est en train de vivre maintenant. À partir de 2020, si tu compares les années 2018, 2019, 2017, 2016, 2015, 2011 avec 2020, 2021, 2022, t'es con, je te le dis. Tu ne peux pas comparer ce qui s'est passé avant avec maintenant. Que ce soit dans les trading, que ce soit dans les sharks, que ce soit. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Tout a changé. Totalement. Tout a changé vraiment radicalement. Tu ne peux pas, à partir de 2020. Tout a changé. Tout a changé. Donc tu peux pas. Oui, historiquement c'est bien de revenir en arrière et voir l'histoire, comment les choses ont pompé pendant ce mois, comment les choses ont fait pendant ce mois, etc. C'est bien d'avoir une opinion, mais tu peux pas baser ton comportement futur sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Impossible, surtout que maintenant en 2022, macro level il est juste incroyablement dégueulasse. 2021, oui on a eu de nouveaux all-time high, donc c'était notre année. J'ai rien à dire, mais refaire la même chose encore cette année, ça fait aucun sens, ça fait aucun sens. Donc c'est pour ça que cette année on aura des petits pompes, petits pompes nice qui vont faire plaisir, mais pas des vraies pompes qu'on veut vraiment. Ok, so il faut, faut, faut s'y attendre les gars, faut pas je sais pas d'être négatif là, c'est juste la réalité, c'est logique. Les choses ne sont pas favorables pour qu'on voit des nouveaux all-time high et pour qu'on voit maintenant, je ne sais pas moi, dans deux mois, dans trois mois, tel coin toucher 30 sous, 50 sous, euh, Dent, 50 sous, euh, ben, XRP, 5 dollars. Ouh, la folie, c'est fini, tout le monde est devenu millionnaire. Non. <laughs> non, 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 les gars, non, ça peut arriver, mais non. Le secrétaire au Trésor Yellen, énonce les principes. De la réglementation des crypto-monnaies. Donc, Yellen, euh, qui est crypto, euh, elle, est, elle, est, elle est down avec la crypto. Euh, C'est Gary Gensler qui l'a mis en place. N'oubliez pas que avant elle, il y avait Rosie Rose. Rosie Rose, elle travaille chez Ripple maintenant. Ça se peut que elle aussi, si elle quitte un jour <laughs> le trésor département, on la retrouvera chez, euh, chez, euh, chez, chez, chez Ripple. I don't know. Mais avec son style et ses cheveux blancs, là, je te jure, elle a l'air d'un dessin animé. Elle n'est pas dessin animé, mais elle a l'air d'un caractère qu'on voit dans un film. <laughs> je te jure le le la secrétaire au trésor Janet Yellen a, ex a exposé ses piliers pour la politique de crypto-monnaie sous une forme prudente et Yellen a pris son point son soin a pris soin de positionner les crypto-monnaies dans des exemples historiques de risques dans la finance bien qu'elle ait été prudente dans les appels à des politiques spécifiques le trésor a défini sa vision de la politique de la, crypto de la, de la cryptographie en quelque sorte le 7 avril la secrétaire au trésor Janet Yellen a prononcé un discours sur les actifs numériques. Le premier du genre au cours de son mandat, le discours est une première réponse au décret exécutif du président Biden de mars, appelant les agences à coordonner leur effort sur la politique de crypto-monnaie. À cet égard, c'est la première réponse de ce genre de n'importe quelle agence. Et s'exprimant au Don Myers Technology and Innovation Building de l'American University, Yellen a pris la scène pour la superstition de Stevie Wonder et est parti pour hey, « pour have, you, have you ever seen the rain uh, » de Credence. Clearwater Revival, créant un contraste notable entre une salle de conférence contemporaine élégante et des pièces vieilles de 50 ans d'Américaine. Je n'ai rien compris dans le deuxième paragraphe, mais le premier, là, on, clairement, ça, ça a été lancé en mois de février, mois de mars. Comme quoi, toutes les agences doivent travailler ensemble pour vraiment essayer de trouver la meilleure réglementation possible. Ok Ça, c'est real. Near Protocol, il a levé 350 millions de dollars. N'oubliez pas que Ripple est derrière lui, Near Protocol. Ici, on voit le UFC. Les combattants du UFC recevront des bonus, en, des bonus en Bitcoin pour les prochains événements PPV. Nice, Bitcoin, bro. ESPN entre, entre dans le jeu NFT avec Tom Brady. Nice. La méta travaille sur une monnaie numérique surnommée Zookbox. Tout, sur, tout le surnom de Zookbox devrait probablement être abandonné dès que possible. Ok, good. Ici, on voit VSA Partners Ed Rare Rare Ra 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 Media a lancé une collection intime de Michael Jordan NFT. Ça, ça va être des, des jolis NFT pour avoir Michael Jordan. Déjà, avec euh, combien de personnes ils font les fous, hein? ils, ils mettent toute leur vie, tout leur budget, ils vivent que pour avoir les Jordan shoes. Il y a des gens qui vivent que pour ça. C'est des, 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 des shoes à des you know, des fous. Là. Mais, euh, mais Michael Jordan NFT, ça, c'est des très bons NFT à avoir, pour de vrai. Comme n'importe quel gros joueur. Ronaldo NFT, Messi NFT, Michael Jordan NFT. Et ça, c'est cool, pour de vrai. C'est vraiment cool. Donc voilà, les gars. Une belle petite vidéo statique pour vous. N'oubliez pas, venez dans le Discord. Parce que vendredi, 23h, euh, 23 heure française, on va parler de gala. Ça va être incroyable avec un expert de gala. C'est pas moi qui va euh, vous éduquer sur gala, mais c'est lui qui va m'éduquer sur gala. The great gala. Salut à toi, Antoine. Donc, euh, 23h. N'oubliez pas la collection NFT Lord Vendetta. J'ai déjà mis deux. Deux, de, deux exemples de ma collection sur le Discord. Les gens ont adoré. Les gens attendent. Ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent le, 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 la collection NFT. Ça, c'est juste la première collection. Et n'oubliez pas, je suis en train de travailler sur un champo parler avec un fiscaliste en France pour vous aider, bien sûr, quand les choses vont pomper, comment retirer, comment ci, comment ça, comment skipper les taxes, etc. I don't know, mais on l'aura avec nous dans le Discord. Donc, plus on avance, plus le Discord devient un putain de monde euh, où tu. Tu, tu trouveras tout ce que tu as besoin. Non, non. Et ça coûte 9 euros. Ça coûte 9 fucking euros, man. 9 euros. 9 euros. 9 euros. Tu peux changer ta vie. Pas tu. Ta vie va changer grâce à ce Discord. 9 euros par mois, même C'est une façon de me supporter. Parce que à chaque jour, je travaille. Donc, c'est ma paye. C'est normal. Donc, c'est pour ça que je vous, je, vous, je vous invite à venir dans le Discord. C'est plus pour vous et non pour moi. OK, la famille Merci encore. Merci pour aujourd'hui. Je vous vois demain à 23h30 sur le Discord. Sinon, euh, malheureusement, il n'y aura pas de Twitch parce que j'ai le stream à 23h30 sur le Discord. Il n'y a pas de Twitch, mais sinon, je vous vois le week-end. OK, la famille, prenez soin de vous. Merci encore. Ciao, ciao et à bientôt. Bye.